À l'origine, avant toute chose, était Ama, Dieu, et il ne reposait sur rien. Le monde avait la forme d'un œuf. Ama était lui-même à l'intérieur, et c'est alors que fut créée la première graine de peau, le fonio, qui se déposa invisible au centre. On dit, lorsqu'Ama cassa l'œuf du monde et en sortit, un vent tourbillonnant a surgi. Poursuivant sa création, Ama créa Ogo, le renard pâle. Mais celui-ci naquit avant terme et sortit hâtivement de son placenta, les yeux fermés, dans l'obscurité primordiale, arrachant avec lui un bout de son placenta. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde. Voyant le désordre créé par Ogo, Ama transforma alors le morceau de placenta, et ce fut la terre. Alors, Ama pétrit au ciel le Nomo, le génie de l'eau. Il pétrit aussi, avec la matière du placenta, les quatre ancêtres de l'homme, et avec eux, il plaça tout ce qu'il avait créé dans une grande arche. Allez. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité, seulement guidée par Sirius, l'étoile du Sigi, Sigitolo. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre. Lorsque l'arche fut vidée, Ama fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait, puis il referma le ciel. Les hommes qui avaient vu briller Sigitolo pendant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil, qui dès ce moment éclaira l'univers. Depuis, tous les 60 ans, les Dogons revivent leur arrivée sur la terre. Ils célèbrent le Sigi, l'invention de la parole et de la mort. Bébé, c'est le soleil. Oui, le soleil. Oui. Et les cailloux, ce sont les étoiles. Lesquels cailloux, alors? Les cailloux que vous voyez. Tous les cailloux qui sont autour. Oui. Et à côté de l'ébé, il y a Sigitolo. L'ébé qui est un Sigitolo, il y a un Sigitolo. Oui, il y a les Sigitolo. Il y a vraiment. Il y a de moi, là. Hein? Ici. 200 degrés. Bon. C'est les Dogons. L'étoile Sirius, c'est l'étoile Sigitolo, c'est bien l'étoile du Sigi. Oui. C'est bien exactement. Ça. Exactement. Mais alors, en fait, quelle est pas autre chose. Oui. N'est-ce pas? C'est l'étoile du Sigi. Oui. Mais en même temps, c'est aussi important au point de vue symbolique. Le soleil, c'est deux soleils ensemble. Oui, alors, mais d'abord, tout d'abord, quel est le rapport véritablement entre l'étoile du Sigi et les cérémonies du Sigi? Est-ce qu'il y a un rapport? Le rapport est fait que, étant fait tous les deux de la moitié du même placenta, elles se lèvent ensemble.
c'est tout. Donc ce que vous voulez dire, c'est que là, on est ramené au lever du Yak. Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où Sirius et le Soleil se sont levés, ouais, alors a eu lieu le premier Sigi. Exactement. D'accord. Exactement. Cette chose qui revient tous les ans a déterminé le premier Sigi, qui était la deuxième année de la vie des hommes sur la Terre. Enfin, d'abord, ils le voient. D'accord. Après, ils ont fait le Sigi, l'année suivante, à ce moment-là. Voilà le lieu où s'est posée l'arche mythique des premiers hommes. C'est Poliokomo, la caverne du traversement. À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du Soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du Soleil, d'après le mythe d'Ogon. Nous sommes fin juillet, au moment précis de cette conjonction. On va placer la caméra au point d'observation que nous a indiqué Pangalé Dolo, c'est-à-dire au milieu de l'arche. Et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes, de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit d'où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers, à droite c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche, celui du Soleil, le plus gros. Et donc, on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les trois étoiles du Baudrier, qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, elle est sortie juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher, et c'est le lever Iliaque de Sirius. Le lever de Sirius juste avant celui du Soleil. Et on a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques, on pensait que c'était une représentation purement symbolique, et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé il y a plusieurs siècles un véritable observatoire astronomique. Nous sommes Germain là devant nos amis, les premiers hommes créés, les ancêtres, qui viennent de voir le soleil qui se lève. C'est le premier jour du monde. Et ils font ça plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que le temps écoulé prouve que ça recommencera, qu'il n'y a plus de problème et que définitivement le soleil les éclairera. Parce qu'avant, donc ils ont appris ici que le soleil allait revenir le lendemain. Ils sont revenus le lendemain pour voir si ça recommençait. Ils sont venus pendant 5 jours, 4 jours ou 5 jours. Ben nous sommes 4 jours. 4 jours, c'est oui. Le quatrième c'était fini, on était tranquille. Alors la seule chose que je demande maintenant. Pendant ce temps, l'antilope courait pour garder la marche du soleil contre les attentats et risquer le renard qui toujours essayait de rattraper son placenta. L'histoire est splendide. L'histoire de l'antilope pourrait être continuée pendant très longtemps. Une très belle histoire et qui est toujours associée au soleil. Et c'est le premier interdit totémique des logos. Alors maintenant, il paraît que d'autres représentations suivent. Les quatre ancêtres, ce sont certains animaux qui sont sortis de l'arche et qui ont joué tout de suite un rôle. Terre, eau. Eau ou terre. Oui, on dit mon Emma. Dis-moi, maintenant on est câble. Angourou, Kirou. Angourou. Angourou, il y aura Kirou, il y aura Emma. Kirou, là.
Amougon, oui. Voilà. Figon, oui. Le kiwi est en haut. La tortue de la terre et la tortue merci de l'eau. Merci beaucoup, je vais écrire ça. Une minute, une minute. Nous sommes des frères. Ouais. Donc c'est le grand frère qui a coupé sa cuisse et pour donner au petit frère qui a mangé. Voilà. Je crois que c'était attends, la viande animale. Et les bozos, on ne peut pas se marier. Donc, il y a quelque chose entre nous. Donc, le Dogon a dit que tu vas marier une femme bozo, que la terre le mange. Donc, même si c'était en plein midi, et que si un Dogon se couche avec une bozo, c'est fini. Il meurt sur place. Ah si, histoire est là. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce sont des histoires très longues. Voilà la caverne de Kukulukomo que Marcel Griot a explorée en 1954. C'est marrant parce que ça, c'est pas tout à fait bien relevé. Je prends les lampes pour voir parce qu'elles sont comme ça. J'ai 110 là. Ça c'est stupéfiant quand même. C'est-à-dire j'ai 110 ici, exactement la même direction qu'on a depuis l'arche sur le rocher de Sirius. Et ça c'est où de la construction? Ah c'est celui-là. Ah oui, c'est vraiment construit comme une espèce de tour d'observation. C'est plus compliqué. Là, il y a un autre obstacle devant. Là, je suis comme ça. Là, c'est 70. Donc, possible. Bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. On va étudier ça à tête reposée. Merci, Pangalé. Bien sûr. Drapeau. C'est clair, je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. Oui. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là. Là, tu as un trou parce que la caverne s'ouvre entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius. Donc, on n'a pas à se forcer du tout de le. Okay. Tu vois. On n'a pas fait. Il y avait deux vérifications que je voulais faire, des directions géographiques, de façon à savoir à quoi ça correspondait. Il y a de la pierre, de l'endroit où Griot l'a marqué, la position de l'observation. Il y a une ouverture dans la caverne, et le milieu de l'ouverture correspond à la direction de Sirius. Donc c'est la deuxième vérification, si vous voulez, qu'on puisse faire. Voilà. Donc c'est vraiment une direction de visée. Donc c'est merveilleux que j'y sois. Voilà. Oui.
Le caillou qui représente le soleil, et le caillou qui représente Sirius, et l'endroit de l'observatoire, qui sont parfaitement orientés. Bon. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ça, tu vois? Quel est c'est le hasard? Non, non, moi je pense pas que ce soit le hasard. Alors c'était un aménagement? Non, non. Je pense que pour des gens qui veulent garder leurs repères, ils les retrouvent dans la nature. Donc ils se placent exactement à un endroit où ils peuvent voir deux cailloux déjà existants dans la bonne direction. C'est tout. Voilà, là c'est parfait. Je pense que c'est ça. Parfait, oui. Oui. C'est de la même façon que dans la caverne, il y a de multiples cavernes, mais celle où il y a la pierre de visée de Sirius, c'est vrai qu'ils ont trouvé que qu'en se plaçant là, on était exactement dans le lever de Sirius, voilà. Et c'était tout. Ils ont noté cette caverne, et l'autre d'à côté qui n'a pas le bon alignement, ils ne s'en sont pas occupés. Je pense que c'est ça. Ce ne sont pas. On n'a pas Stonehenge ici, on n'a pas des bâtisseurs, des pierres dressées qui sont construites par l'observatoire. Absolument. On se réapproprie la disposition naturelle des pierres pour s'en servir comme ligne de visée. Énormément. Oui. La question. Ils ont transporté les pierres. C'est aussi possible, bien sûr. Mais c'est certain. Toute la représentation symbolique, je pense que c'est ça. Parce que ce sont toujours des petites pierres qui sont ramenées. Celle de la place du village, c'est ça, par exemple. Le Bédala, c'est exactement ça. Mais voyons. En revanche. Il y en a deux. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a là, il y a les étoiles que les hommes observent, et les étoiles, je ne sais pas l'expression que vous employez, mais que. La symbolique. Telles qu'elles ont été créées. Voilà, telles qu'elles ont été créées. Et ça, effectivement, c'est. C'est leur cosmologie. Voilà. Théorique. Voilà, théorique. Et ensuite, parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu découvrir aujourd'hui, enfin, dans cette. Telles qu'on les a vues. Exactement. Et que là, telles qu'on les a vues, c'est vraiment telles qu'on les voit encore et telles qu'elles ont toujours été. Et c'est vraiment un fait d'observation. Ce qui, pour moi, n'était pas du tout évident. Pour les Dogons. Quand vous irez sur le canal de l'eau, non seulement il y a des étoiles, il y a la Voie lactée représentée par des séries de cailloux. Très serré, et à un moment donné, Saturne, qui s'appelle l'étoile de la Voie lactée. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les Dogons ont mis en scène le monde, et en déplaçant des pierres, ils ont raconté l'histoire de la création du monde. Le moment où la parole a été révélée aux hommes, et le tambourinaire faisait à ce moment-là ta-d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 a, et les gens se mettaient à danser. Voilà l'histoire. Les Dogons sont allés encore plus loin. Dans ces paysages transportés, ils ont dégagé des espaces pour mettre en scène les temps perdus. Ici, à Kukulukomo, ils ont représenté le décor de la révélation de la parole aux premiers hommes. Dans la brume, depuis l'autre rive du fleuve Niger, le génie de l'eau parlait. Dans la caverne, un des ancêtres répétait ses paroles. Les premiers hommes, à côté des jarres de bière représentées par des blocs de pierre, apprenaient à parler, les oreilles ouvertes par la bière. Derrière, le Dogon, le premier griot, scandait les paroles sur un tambour de pierre. Ce fut le premier sidi. Alors, tout est possible. L'espace et le temps n'existent plus. Dans les cavernes de Yugo, ou sur le grand livre d'images de l'auvent de Songo, on peut raconter l'histoire de la création du monde, l'aventure d'Ogo, le renard pâle, le maître du désordre, l'ennemi du génie de l'eau, qui procréa avec sa mère des générations d'enfants incestueux, les Yeban et les Andumbulu. Sous l'enclume de pierre, dans les cavernes de Yugo, les Andumbulu sont toujours là, modelés depuis des siècles dans l'argile crue. Ce sont eux, ces enfants du désordre, ces nains à grosses têtes, qui inventèrent la première mort et les premiers rituels. Ce sont eux qui apprirent en murmurant au premier guérisseur, Diongou Serou, la langue rituelle, le Sigisso, la langue du Sigi, la langue des immortels. Diongou Serou en mourut. Alors, les hommes commémorèrent à la fois la mort de l'ancêtre et la révélation de la parole. Depuis, tous les 60 ans, la caverne des Andumbulu rougeoie et des observatoires, Sirius et ses satellites se conjuguent. Le temps du Sigi est venu. Le Sigi, c'est une cérémonie qui n'est faite qu'à des intervalles de 60 ans. C'est ça.
Alors là, c'est encore un problème lié au fait que Sidi Tolo a des compagnons. Que le premier compagnon, qui s'appelle l'étoile du Fonio, tourne autour de Sidi Tolo, enfin, du Sirius pendant 50 ans, et que le second compagnon qu'on a vu et qu'on ne verra plus jamais tourne autour de Sirius pendant 60 ans. Il est resté dans leur mémoire, représenté ici, en plein Sankar. Les Dogons parlent du compagnon de Sirius. Alors, la question est de savoir comment ont-ils pu avoir une connaissance de quelque chose qui n'a pu être découvert que, effectivement, avec les plus grands instruments, même du siècle dernier, alors qu'eux n'observaient qu'à l'œil nu. Cette étoile du Fonio qui était. Qui est le premier compagnon et qui existe, a éclaté. Ah, ça, c'est l'autre partie absolument passionnante. Elle est représentée, éclatée, là. Il n'y a qu'à voir. Elle est sur les pieds et elle émerge. Et cette étoile est une des étoiles les plus fantastiques qui a été découverte à la fin du siècle dernier. Il a fallu d'ailleurs pour ça qu'on mette en service une des plus grandes lunettes du monde qui était aux États-Unis et qui a découvert que l'étoile à côté de Sirius était une étoile assez microscopique puisqu'elle a la taille approximativement d'une planète et la masse d'un soleil. Ces étoiles qu'on a appelées par la suite des naines blanches sont des étoiles extrêmement denses et qui sont produites par l'explosion d'une étoile antérieure qui existait, qui a fini sa vie et dont ne reste que le cœur qui est donc constitue cette matière extrêmement dense. Essayez de comprendre ça. Tout ce contenu, symboliquement réparti partout, est en même temps, à la fin, concentré dans une étoile qui en est le témoin. Moi, je trouve ça super. Oui, c'est d'autant plus. Enfin, si on veut trouver un parallèle avec la science, c'est intéressant, puisque on sait maintenant que tous les atomes dont nous sommes faits sont fabriqués par les étoiles. Et donc, cette étoile qui reste est vraiment le condensé de ce qui est fabriqué. Condensé de la vie. Voilà. Et je crois que si vous voulez. Et la multiplicité des espèces. Et sans les étoiles, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait uniquement que de l'hydrogène et de l'hélium, ce qui serait totalement insuffisant pour former tout ce que nous sommes. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui reste sur l'étoile naine blanche qui est autour de Sirius, c'est vraiment le condensé de tout ça. C'est formidable. Ben, oui, ça. C'est un parallèle que vous avez fait. Je vous jure que c'est ça. C'est ce que je sais, c'est ce qui est publié. Et ce que je sais encore mieux maintenant, à cause de toutes les choses que j'ai pu faire, jamais ça n'a été plus net que cette histoire-là. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'il faudrait penser que les Dogons eux-mêmes aient réussi à assimiler complètement toutes ces connaissances, si elles étaient venues de l'extérieur, pour vous les retransmettre. Donc ce qui est un peu compliqué quand même. Mais d'où ? Non, mais on est obligé de considérer toutes les hypothèses. On est obligé de considérer toutes les hypothèses parce que c'est suffisamment troublant pour que. Vous pouvez les faire, moi j'adore ça. Moi j'aime bien tout. Devant. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Là, c'est 70. Donc, possible. Bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. On va étudier ça, la tête reposée. Merci pour regarder. Bien sûr. De la peau. Fourche du monde. C'est clair, je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. Oui. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là, là tu as un trou parce que la caverne s'ouvre entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius.
Donc on n'a pas à se forcer du tout de le... Tu vois. On n'a pas. Il y avait deux vérifications que je voulais faire, des directions géographiques de façon à savoir à quoi ça correspondait. Il y a de la pierre, de l'endroit où Griot l'a marqué, la position de l'observation. Il y a une ouverture dans la caverne et le milieu de l'ouverture correspond à la direction de Sirius. Donc c'est la deuxième vérification, si vous voulez, qu'on puisse faire. Voilà. Donc c'est vraiment une direction de visée. Donc c'est merveilleux que j'y sois. Voilà. Oui. Le caillou qui représente le soleil et le caillou qui représente Sirius et l'endroit de l'observatoire, bon, ils sont parfaitement orientés. Bon. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ça, tu vois? Quel est c'est le hasard? Non, non, moi je pense pas que ce soit le hasard. Alors, c'est un aménagement? Non, non. Je pense que pour des gens qui veulent garder leurs repères, ils les retrouvent dans la nature. Donc, ils se placent exactement à l'endroit où ils peuvent voir deux cailloux déjà existants dans la bonne direction. C'est tout. Voilà, là, c'est parfait. Je pense que c'est ça. Oui. Oui. C'est la même façon que dans la caverne, il y a de multiples cavernes, mais celle où il y a la pierre de visée de Sirius, c'est vrai qu'ils ont trouvé que qu'en se plaçant là, on était exactement dans le lever de Sirius, voilà. Et c'était tout. Ils ont noté cette caverne, et l'autre d'à côté qui n'a pas le bon alignement, ils ne s'en sont pas occupés. Mais c'est ça. Ce ne sont pas. On n'a pas Stonehenge ici, on n'a pas des bâtisseurs, des pierres dressées qui ne sont construites par l'observatoire. Absolument. On se réapproprie la disposition naturelle des pierres pour s'en servir comme ligne de visée. Énormément. Oui. Question. Ils ont transporté les pierres. Ah, c'est aussi possible, bien sûr. Mais c'est certain. Toute la représentation symbolique, je pense que c'est ça. Parce que ce sont toujours des petites pierres qui sont ramenées. Celle de la place du village, c'est ça, par exemple. Là, sur le rocher de Sirius. Et ça c'est où la construction? Ah, c'est celui-là. Ah oui, c'est vraiment construit comme une espèce de tour d'observation. C'est plus compliqué, là, il y a un autre obstacle devant. Là, je suis comme ça. Là, c'est 70, donc possible. Bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. On va étudier ça, la tête reposée. Merci pour regarder. Bien sûr. De la peau. C'est clair, je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. Oui. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là, là tu as un trou parce que la caverne s'ouvre entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius. Donc on n'a pas à se forcer du tout de le... Tu vois. On n'a pas. Il y avait deux vérifications que je voulais faire, des directions géographiques de façon à savoir à quoi ça correspondait. Il y a de la pierre, de l'endroit où Griot l'a marqué, la position de l'observation. Il y a une ouverture dans la caverne et le milieu de l'ouverture correspond à la direction de Sirius. Donc c'est la deuxième vérification, si vous voulez, qu'on puisse faire. Voilà. Donc c'est vraiment une direction de visée. Donc c'est merveilleux que j'y sois. Voilà. Oui. Le caillou qui représente le soleil et le caillou qui représente Sirius et l'endroit de l'observatoire, bon, ils sont parfaitement orientés. Bon. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ça, tu vois? Quel est c'est le hasard? Non, non, moi je pense pas que ce soit le hasard. Alors, c'est un aménagement? Non, non. Je pense que pour des gens qui veulent garder leurs repères, ils les retrouvent dans la nature. Donc, ils se placent exactement à l'endroit où ils peuvent voir deux cailloux déjà existants dans la bonne direction. C'est tout. Voilà, là, c'est parfait. Je pense que c'est ça. Oui. C'est la même façon que dans la caverne, il y a de multiples cavernes, mais celle où il y a la pierre de visée de Sirius, c'est vrai qu'ils ont trouvé que qu'en se plaçant là, on était exactement dans le lever de Sirius, et c'était tout. Ils ont noté cette caverne,
et l'autre d'à côté qui voilà. n'a pas le bon alignement, ils ne s'en sont pas occupés. C'est comme ça que c'est on n'a pas Stonehenge ici, on n'a pas des bâtisseurs, des pierres dressées qui sont construites par l'observatoire. Absolument. On se réapproprie la disposition naturelle des pierres pour s'en servir comme... Les Dogons parlent du compagnon de Sirius. Alors, la question est de savoir comment ont-ils pu avoir une connaissance de quelque chose qui n'a pu être découvert que, effectivement, avec les plus grands instruments, même du siècle dernier, alors qu'eux n'observaient qu'à l'œil nu. Cette étoile du Fenou, qui est le premier compagnon et qui existe, a éclaté. Ah, ça, c'est l'autre partie absolument passionnante. Elle est représentée, éclatée. Là. Il n'y a qu'à voir. Elle est sur les pieds et elle émerge. Et cette étoile est une des étoiles les plus fantastiques qui a été découverte à la fin du siècle dernier. Il a fallu d'ailleurs pour ça qu'on mette en service une des plus grandes lunettes du monde qui était aux États-Unis et qui a découvert que l'étoile à côté de Sirius était une étoile assez microscopique puisque la taille approximativement d'une planète et la masse d'un soleil. Ces étoiles qu'on a appelées par la suite des naines blanches sont des étoiles extrêmement denses et qui sont produites par l'explosion d'une étoile antérieure qui existait, qui a fini sa vie, et dont ne reste que le cœur, qui est, donc constitue cette matière extrêmement dense. Essayez de comprendre ça. Tout ce contenu, symboliquement réparti partout, est en même temps, à la fin, concentré dans une étoile qui enlève des témoins. Moi, je trouve ça super. Oui, c'est d'autant plus, enfin, si on veut trouver un parallèle avec la science, c'est intéressant, puisque on sait maintenant que tous les atomes dont nous sommes faits sont fabriqués par les étoiles. Et donc, cette étoile qui reste est vraiment le condensé de ce qui est fabriqué. De la vie. Voilà. Et je crois que si vous et voulez. Et la multiplicité des espèces. Et sans les étoiles, il n'y aurait pas de, il y aurait uniquement que de l'hydrogène et de l'hélium, ce qui serait totalement insuffisant pour former tout ce que nous sommes. Donc c'est très intéressant. Et ce qui reste sur l'étoile naine blanche qui est autour de Sirius, c'est vraiment le condensé de tout ça. C'est formidable. Ben, c'est oui, ça. C'est un parallèle tout à fait. Je vous jure que c'est ça. C'est ce que je sais, c'est ce qui est publié. Et ce que je sais encore mieux maintenant, à cause de toutes les choses que j'ai pu faire. Jamais ça n'a été plus net que cette histoire-là. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'il faudrait penser que les Dogons eux-mêmes aient réussi à assimiler complètement toutes ces connaissances, si elles étaient venues de l'extérieur, pour vous les retransmettre. Donc, ce qui est un peu compliqué quand même. Mais d'où ? Non, mais on est obligé de considérer toutes les hypothèses. On est obligé de considérer toutes les hypothèses, parce que c'est suffisamment troublant pour que... Vous pouvez les faire, moi j'adore ça. Le lieu où s'est posée l'arche mythique des premiers hommes, c'est Polyokomo, la caverne du traversement. À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du Soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du Soleil, d'après le mythe Dogon. Nous sommes fin juillet, au moment précis de cette conjonction. On va placer la caméra au point d'observation que nous a indiqué Pangalé Dolo, c'est-à-dire au milieu de l'arche. Et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes, de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit d'où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers, à droite c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche, celui du Soleil, le plus gros. Et donc, on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion.
Voilà les trois étoiles du Baudrier qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, elle est sortie juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher. Et c'est le lever iliaque de Sirius. Le lever de Sirius juste avant celui du Soleil. On a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques, on pensait que c'était une représentation purement symbolique. Et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé il y a plusieurs siècles un véritable observatoire astronomique. Nous sommes vermés là devant nos amis. Les premiers hommes créés, les ancêtres, qui viennent de voir le soleil qui se lève, c'est le premier jour du monde. Et ils font ça plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que le temps écoulé prouve que ça recommencera, qu'il n'y a plus de problème, et que définitivement, le soleil les éclairera. Parce que donc ils ont appris ici. Et ça, effectivement, c'est leur cosmologie théorique. Voilà, théorique. Et ensuite, parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu découvrir aujourd'hui, enfin dans cette... Tels qu'on les a vus. Exactement. Et que là, tels qu'on les a vus, c'est vraiment tel qu'on les voit encore et tel qu'elles ont toujours été. Et c'est vraiment un fait d'observation. Ce qui pour moi n'était pas du tout évident. Pour les Dogons, quand vous irez sur le cas de Memo, non seulement il y a des étoiles, il y a la Voie lactée représentée par des séries de cailloux très serrés, et à un moment donné, Saturne, qui s'appelle l'étoile de la Voie lactée. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les Dogons ont mis en scène le monde, et en déplaçant des pierres, ils ont raconté l'histoire de la création du monde. Le moment où la parole a été révélée aux hommes, le tambourinaire faisait à ce moment-là ta-d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 a
Donc, même si c'était en plein midi, même si c'était en plein midi, et que si un dogon se couche avec une bozo, c'est fini. Il meurt sur place. Oh. Ah si, l'histoire est là. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce sont des histoires très longues. Voilà la caverne de Kukulukomo que Marcel Griot a explorée en 1954. C'est marrant parce que ça, c'est pas tout à fait bien relevé. Ça Je prends le nom pour voir parce que ça sent comme ça. J'ai 110 là. Ça, c'est stupéfiant. C'est-à-dire, j'ai 110 ici, exactement la même direction qu'on a depuis l'arche sur le rocher de Sirius. Et ça c'est où de la construction? Ah, c'est celui-là. Ah oui, c'est vraiment construit comme une espèce de tour d'observation. C'est plus compliqué, là, il y a un autre obstacle devant. Je suis comme ça, là c'est 70, donc possible. Bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. On va étudier ça, la tête reposée. Merci pour regarder. Bien sûr. Drapeau. C'est clair, je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. Oui. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là. Là, tu as un trou parce que la caverne s'ouvre oui. entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius. Oui, bah, donc, on n'a pas à se forcer du tout de le. Okay. Tu vois. On n'a pas fait. Il y avait deux vérifications.